Yo les amis, salam alaikum, Ismo 38 depuis Grenoble. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que votre famille se porte très bien. Voilà. Donc un petit message à tous les fils de pute là qui sont là à laisser des commentaires. Ouais, mais t'as fait la bise à Bassem. Mais demandez votre Bassem, la grosse pute qu'il est, quand il est venu me voir à 200 mètres, qu'il n'avait pas les deux mains en l'air. Wallah, je suis venu en paix. Wallah, je suis venu en paix. Wallah, c'est à cause des sionistes. Demandez-lui comment ça s'est passé. Bon, bref, de toute façon, en fait, vous la connaissez, la vérité, mais vous préférez l'iceberg. C'est ça qui vous arrange. Bon, bref, parlons bien, parlons peu. Donc, comme vous pouvez le savoir, il y a quelques jours maintenant, donc, il y a une vidéo de Bassem où on le voit se balader en promenade. Donc, sachez que les apparences sont trompeuses. Donc, Bassem Raiki, sachez très bien, c'est quelqu'un de très malin. Donc, il a dû prévoir ça. Obligé. Donc, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, il a été incarcéré. Il a été en prison. Donc, il a fait quoi à son arrivée? Il a pris son téléphone, il est allé vite fait en cours de promenade pour faire une petite vidéo pour dire, ouais, regardez, moi, je ne suis pas en isolement, je suis en promenade. En sachant très bien que, de toute façon, vous verrez, tout de suite après, je vais vous balancer une vidéo qui va vous rafraîchir la mémoire. Il y a quelques années en arrière. Donc voilà, Bassem Raiki, c'est une grosse salope. Bassem a dû prévoir ce coup qu'il a fait. Croyez-moi. Cette vidéo qui circule, bizarrement, le mec il marchait tout seul comme mec. Oh, limite, on dirait que y a, je sais pas, on dirait qu'il y avait un chien derrière lui qui courait derrière lui, Zebi. Oh, il marchait vite, on dirait Zebi, on dirait que tu vas rater ton train. On dirait putain de merde, on dirait il y a Beyoncé qui t'attend, Zebio. Oh, ah, vous allez voir de toute façon, cette vidéo de Bassem sera la dernière. Croyez-moi, par. Ne vous inquiétez pas, je sais, comme je vous ai dit depuis le début, les amis, et je le jure sur la tête de mes enfants, que j'ai quelqu'un là-bas qui me tient informé de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe là-bas. Il voit Bass. Bon, vous allez voir. Dans quelques. D'ici qu'il va sortir, il y aura plus de vidéos de lui. Vous verrez peut-être des vidéos des gens qui sont en train de l'insulter, qu'il est en isolement. Vous le verrez plus. Ça, c'est son coup qu'il a prévu. Il a dû prévoir avec quelqu'un. Ouais, regarde quand je sors vite fait, filme-moi vite fait comme ça. On envoie ça aux gens pour savoir, pour dire que, genre, je suis pas en isolement. Tu vois ce que je veux dire? On parie combien? On parie combien qu'il y aura plus de vidéos de Bassem Raiki? Il n'y aura plus du tout, frère. Ça, c'était un coup prévu. Il avait prévu ça déjà. Donc, sur ce, pour vous rafraîchir la mémoire, tout de suite après, je vous laisse avec une petite vidéo qui date depuis, qui date quelques années en arrière. OK? Pour vous dire qui est Bassem, pourquoi il sera en isolement, pourquoi il sera jamais en promenade. Voilà. Et tous les suceurs de fils de pute de cette salope, l'isolé raciste, tous ces fils de pute qui sucent de gauche à droite, niquez vos mères. Voilà. Sur ce, salam alaikum. Vas-y, c'est bon, vas-y. Démenti sur la vidéo de Bassem qui fait le show là. On est aux arrivants et il était là. Explication d'un petit mec. Voilà, Bassem, il était là. On est parti au sport, il a eu peur de croiser les gens à la coursive. Il s'est sauvé au confinement. C'est sauvé, hein. Où il est? Où à l'isolement, ce petit fils de pute. Ce petit pute isolé là. Ah ouais. Pute isolé. Le petit pute isolé. T'as pas quelque chose à expliquer, mon petit gars là? Quand tu sortais en promenade et tu nous racontes tes fausses vies là. Quand je vais aller en bâtiment, je vais faire que des têtes, sale vieux fils de pute. Bah, hein, t'es où maintenant? T'as l'isolement là, chatte à ta mère. Voilà. Bah, crève ta grand-mère, mets-toi d'accord. Il a eu peur, hein. Là, il a eu peur. Bon, certainement, il y a une vidéo là qui va sortir là quand il va sortir parce que c'est un petit malin. Il est venu dans cette promenade là, il nous a tous barnatinés comme des petits connards là. Il a fait une petite vidéo là, il va la sortir comme quoi il glisse pas en promenade, il y a rien du tout. Mais t'es arrivé ici, t'étais tout gentil mon pote. Il a fait cette vidéo parce qu'il a eu peur, je te salope. T'as acheté des paquets de clopes alors que tu fumais pas pour les gens, la putain de ta grand-mère. T'as vu ça? C'est le fils des putes, toi. T'as vu ça? Tout ça pour pas donner. Il a acheté combien d'olives en fait? À combien? J'ai oublié cette histoire. 400 euros, 10 grammes à 400 euros, sale fils des putes. Putain, c'est incroyable. Quelqu'un qui aimait ça. Qui était en cellule, la putain de ta grand-mère. Ça, c'est quelqu'un qui aimait ça.
Voilà, tu vois. Tu vas faire le tueur dehors. Tu vas faire le tueur, tu vas inventer des vies. Méfiez-vous des apparences. On t'a vu, nous, ici, on sait inquiéter, hein, de toute manière. Hein. Ah, on sait très bien. Non, il est pas dehors, il a l'isolement, là, pour l'instant. Ouais, ouais, il allait se cacher à l'isolement. Ah, ouais. Eh, vendredi, tu te souviens? Il est à l'isolement. 6 jours, hein, tout le monde le dit, hein, 6 jours. Eh, vendredi, tu devais venir au sport, tu te souviens? Vendredi, tu devais venir, à 14h, tu m'as appelé, tu te souviens ce que tu m'as dit? T'as eu peur, il a inventé plein de trucs pour pas sortir. Il a dit que ouais, j'ai parlé à un avocat, après j'ai une verrue à me faire enlever. Ben vas-y, fais l'enlever ta verrue, qu'est-ce que t'as? Elle vient maintenant. Elle est partie en cachette. Il a fui, voilà. Il a fui. Tout le monde était là, tout le monde l'a vu, hein. T'étais matin, ici. Plus, hein. Et c'est dans 2 semaines que tu sors, hein. On est tous au courant. Pédale, voilà. Vous avez plus rien à dire sur ce menteur là, bon, qui s'invente des vies. De toute façon, nous on n'a pas son temps, nous on veut délover, nous. Ah, allez, ciao, vieux pélo.